Eh bien, salut toutes et à tous, c'est TimaEpon et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien, mais écoutez, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, un nouveau concept de vidéo, et oui encore un, je sais, oh là là, t'en fais des milliers des concepts de vidéo, mais en même temps, quand je vois les possibilités que l'on peut faire sur un jeu vidéo et des mods et tout ça, c'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Golden Sun, The Lost Edge Editor, donc je vais vous présenter un peu le logiciel en main. Alors, spécifiquement pour vraiment ce format de vidéo où ça va vraiment être modifié juste les ennemis, tout ça, etc. etc. Mais comme vous voyez ici, je passe ma souris, tu peux tout modifier, genre l'item shop, les habilités, le party member, les classes, les jeans, les invocations, les ennemis, les maps également. Les maps, ça c'est assez complexe, j'essayerai de faire une vidéo éventuellement sur ça, mais c'est vraiment assez complexe à faire. Moi je vous le dis, hein, c'est vraiment complexe. J'essaie de bien prendre en main le tout, mais bon, éventuellement je pourrais peut-être vous faire des vidéos tuto à ce niveau-là. Les sprites tout simplement, que ce soit les sprites de la map, les sprites lors des combats, etc. etc. Les textes, oui, tous les textes du jeu, on peut faire quelque chose. C'est assez incroyable, mais je vous jure, c'est... Oui, attends, je vais même cliquer là, regardez. Tu vois, t'as le No Savage Data, tout ça, Do You Want to Try, Persuasion Data, Playtime, tout ça. Tu peux tout modifier, mec. Je te jure, tu peux te modifier, c'est quand même un truc assez incroyable. Alors nous, ce qui va nous intéresser, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ça va tout simplement être Satoru Asamiyali, donc c'est un mandarin phénixien hein, que l'on connaît. Alors que j'ai mis un bon niveau 50, 24 000 points de vie, 2000 points de synergie, c'est quand même beaucoup. Un petit 850 en attaque, ça fait pas de mal, 200 en agilité. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les attaques. C'est surtout les attaques qui sont vraiment, quand même, vraiment bien. Alors, l'XP, oui, je sais, j'ai testé. 65 000 XP, c'est énorme. Mais bon, j'en profite, hein. Faut toujours en profiter, c'est sûr. Non, vraiment, je vous jure, 65 000 XP d'un coup, tu vois tout le monde qui level up d'un coup, là. Oh, mon Dieu, c'est énorme. Alors, je pourrais lui mettre deux tours, hein, éventuellement, pour rajouter un peu de difficulté, hein, ça paye pas de mine, tout ça. Ça pourrait même rendre le combat olympique. Alors, tu as le file et le help, bien entendu. Save, tout simplement. Alors, je vous conseille tout simplement de créer une copie de votre ROM du jeu, éventuellement, si vous voulez modder, tout ça. C'est quand même le principal, tout ça, tout ça. Enfin, voilà. Donc, niveau 50, 24 000 points de vie, je pense qu'on est bien. Donc, on va taper tout de suite Ménardi, tout simplement. Alors, à savoir, vous vous envoyez 2-3 là. C'était des tests, ça. Alors, vous choisissez un ennemi d'une zone que vous connaissez, vous changez son nom, vous changez son sprite, et puis, bah voilà, quoi. Voilà. Faut pas faire 10 000 manipulations. Faut juste se repérer un peu dans les menus, comment changer le nom, le sprite ici. Ça, je sais même plus trop ce que c'est, d'ailleurs, pour tout vous dire. Le pattern des attaques, les attaques qu'il va y avoir, soit comme ça, soit totalement au hasard, hein, bien entendu. Le coin, l'argent que ça va rapporter, des HP, tout... Tu vois? Ça passe. Franchement, ça passe. Eh bien, écoutez, je vais vous faire une pause et on se retrouve quand on sera confronté aux 10 adversaires. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, c'est compliqué, les amis. Alors, vous allez voir tout de suite. Alors, nous sommes face, bien entendu, face à Amanda Phoenixia. Mais il y avait deux Ménardi. Alors, j'ai peut-être loupé à ce niveau, au niveau du logiciel, mais bon, il y a tellement de possibilités de rencounter des ennemis, tout ça, tu peux tout. Tantôt, je suis tombé sur 3 Saturos. J'ai eu mal. Enfin, voilà. Donc, écoutez, on est prêt pour un combat d'une épicness sans précédent. J'espère que ça ira. J'espère vraiment que ça ira. Alors, je n'ai pas touché aux autres. Hein. Je veux dire, Saturos, il a bien 24 000 points de vie. Et Ménardi, on a bien 20 000. Hein, voilà. C'est tout neuf, c'est tout prêt. Alors, allons-y pour le fight de votre vie. Et regardez ce que j'ai déjà. J'ai Cruel Ruin. Alors, oui, je sais, j'ai Cruel Ruin en tant que djinn. C'est assez totalement pété. Alors, je pense que je vais me protéger avec une barrière. Ce serait quand même le mieux. Parce que je vous jure, ils sont super forts. Je sais pas si j'ai eu vraiment une bonne idée de caster vraiment deux tours à Saturos là. Parce que c'est quand même pété, putain. Franchement, avoir ça en djinn, quoi, mais c'est quand même pété. Imagine, t'as le. C'est le premier djinn en plus, hein. Imagine, t'as le petit djinn de merde là. Les dégâts sont gigantesques, ça aussi, je sais. Mais bon, sur plus de 20 000, honnêtement, voilà. Juste utiliser ça temporairement. 107 de dégâts, créer du fire, boum, ouais, l'agilité qui a baissé,
C'est dégueulasse. Alors, est-ce que je n'ai pas un soin éventuellement revive, exactement? Alors oui, je sais, Iris, tout ça, mais je vais pas vraiment abuser des sorts, tout ça, hein, c'est pas le but. Je pense que je vais plutôt abuser de ce qui... Enfin, c'est plutôt des synergies comme ça que je vais abuser, et pas des synergies que j'ai au préalablement déjà mis, hein. C'est inutile un peu, ça. Alors, Diamondberg, on va vraiment rendre le combat vraiment épique, hein. Le combat va être vraiment épique. Radiant Fire, oh, 432, oh, ça fait mal. Mais bon, c'est moi qui ai tout décidé des attaques, donc j'ai pas à me plaindre aussi. Hein. Apocalypse. Pouh. Aïe, aïe, aïe. Et il m'a mis l'esprit de la danse de la mort. Ah, oh, merde. Voilà. Bon, Apocalypse, c'est totalement au hasard hein, que j'ai mis ça comme ça. Si d'ailleurs vous voulez d'autres combats, on sait jamais. Si vous voulez d'autres combats éventuellement avec des mods ou autres, hein, avec Saturos, Ménardi, tout ça. N'hésitez pas, hein, n'hésitez vraiment pas à me le demander. Je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Résistance plus, tiens, ça pourrait être pas plus mal. Mais je me suis fait un petit peu plaisir. Hein. Alors, mon but dans cette vidéo, c'est pas de rendre le personnage forcément ultra. Comment dire ça? Ultra comme dans l'original, quoi. Voilà, je veux pas faire un méga personne d'original, tout ça. Je me mets un peu de liberté, mais pas trop quand même, faut pas déconner. Je veux dire, je veux pas mettre des attaques de glace à Ménardi, ni des attaques d'eau à Saturos, alors que c'est pas le cas, hein. Voilà. Faut pas déconner non plus. Mais j'ai mis quelques petites attaques qui pourraient éventuellement me mettre à mal. Et ça serait pas plus mal, parce que ça rendrait le combat vraiment... Oh putain. Ah ouais. C'est quand même puissant, hein. Start. Waouh. Putain, il fait mal. Hein, il fait mal. Je l'ai vraiment rendu super fort. C'est assez incroyable. Alors, on va utiliser un petit coup de flash, tiens. Éventuellement, préparer les futurs dégâts. Non. Tu dois faire ça, attends. Ouais. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça. Flash au moins, on est sûr d'être protégé en un seul tour. C'est déjà ça. Effectivement, c'est déjà ça. Gust. Ouais. Sur plus de 20 000 PV. Hein. C'est vraiment la misère. Magma Storm. Ça y est. Pam. Ça commence les attaques. Je pense que j'ai bien réagi au bon moment. Meteor Blow. Ça y est. Allez. Tu fais bien sentir que je suis un familier de Mars, là. Avec mes attaques totalement pétées. Wow. Dragon Driver. Allez, hop. Heureusement, j'ai utilisé Flash. Heureusement, j'ai utilisé Flash. Sinon, ce serait totalement cheaté. Ce serait totalement cheaté. C'est-à-dire que j'ai dû venir à bout d'une autre Ménardi. Hein. C'est assez malade. Alors, hop. On va faire ça comme ça. Colola. On va essayer de calmer quelqu'un un petit peu quand même. On va quand même essayer d'avoir nos invocations. Hein. C'est quand même le mieux. Ah, il dort. Parfait. Alors toi, prends Odyssey dans la gueule. Boum. Alors on essaie qu'il utilise l'attaque Steam. Hein. Une attaque très connue. Hop. Parfait. Tu vois bien. Rising Dragon. Boum. Ça fait extrêmement mal. Oh là là. Ah ouais. Ah, je me suis mis mal. Mais je me suis mis tellement mal. Mais je fais ça pour vous les amis. On espère réussir ce combat hein, de toute quiétude. Hop, voilà, on va essayer ça. J'ai pas tous mes PV de restaurer, ça me démange un petit peu quand même. The Sky, ah merde, ah, bon. Forcément j'ai respecté le personnage original, je sais qu'elle l'utilise quoi. Je sais qu'elle utilise cette attaque, donc je pouvais pas passer à côté. Vous me comprenez bien. Alors, torche, on peut effectivement essayer d'utiliser ça. Est-ce qu'il faudrait pas mieux privilégier les soins par moment? J'essaie de voir. Alors, j'ai pas vraiment réussi à... comment dire ça? À voir pour les faiblesses élémentaires ou autres. Hein. Sinon, j'aurais essayé, hein, ça bien entendu, mais... voilà quoi. Restalt. Allez, 25 de PP. C'est assez difficile. Tiens, on va utiliser quoi qui cule pour nous soigner un petit peu. Ce serait bien.
Ouais. Un petit tour défensif, ça fait pas de mal, honnêtement. Faut quand même pas déconner non plus. Ah, ça y est, il est paralysé. Tant mieux. Bon, aussi, ça aurait été cool de changer la musique. Franchement, ça aurait été sympa. Au moins pour bah, remettre le thème, hein, le thème vraiment épique. Contre Saamandar et Phénixia. Ouais. Les summons du jeu sont vraiment magnifiques. Hein. Faut dire ce qui est. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, j'aimerais bien te soigner. Merci beaucoup. Parfait. Fog. Ah, désillusion. Nosblade. Oh. Heureusement, ils sont dans des altérations d'état assez dangereux là. Ma foi, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je sais même pas combien de PV il leur reste en plus, c'est ça qui est le stress total. C'est le stress absolu. Et leur attaque, j'ai pas désigné. Hein. Je leur ai mis 800 idées. Hein. Je leur ai mis 800 et des choses. Hein. Je vous jure, j'ai pas désigné à ce niveau-là. Hein. J'ai pas désigné du tout. Allez, bref. Encore une belle attaque. Odyssey. Après, bien sûr, on va spammer les invocations. Ah merde, il est tombé. Parce que Ménardi lui a fait. Cryfire. Fire. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Bon, tant que Saturos est bloqué, ça va. Mais là, il n'est plus bloqué, donc ça ne va plus. Ah oui, c'est assez dérangeant, là, quand même. Non. J'ai pas un objet. Ah, une potion, ouais. Le trident. Il servira à quoi? Il va servir à quoi le trident? Sérieusement. Ah, je peux réussir avec ça. Ok, ça va. Ça, c'est nickel. On va essayer de paralyser, écoutez. Je ne promets pas grand-chose. Ouais. J'ai mes PV au maximum à ce niveau-là, donc ça devrait éventuellement aller. Ah, une barrière d'eau, je dis pas non, ça aussi. Mais waouh, c'est. Imaginez un combat comme ça. Dans Golden Sun. Mais non! Ça n'a pas eu effet! Aïe 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 aïe! Ah, c'est dangereux ça. C'est extrêmement dangereux. C'est compliqué tout ça. C'est vraiment compliqué. Attends. Ah, déjà les PP. Oui, je dois effectivement en avoir un peu plus. Ouais, ça va être un tour un peu plus défensif hein, qu'autre chose. Char. Paralysé! J'ai l'impression, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Ah non, elle est même pas paralysée. En plus, elle a perdu son statut. C'est un peu déroutant, ça. Bon, on va essayer de commencer des grosses invoques. Cristapsi, tout ça. Ouais. Ah, c'est pas les meilleurs, hein. T'as quoi, toi? Ouais, t'as pas vraiment beaucoup de chance, hein, mon gars. T'as pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est compliqué un peu quand même. Hein. C'est un peu compliqué là. Alors, Eclipse. Après, on peut faire des second rounds, hein, où je modifie encore un peu leurs attaques, tout ça. Éventuellement, pour une autre vidéo, ça peut être bien. Voilà. Ça peut vraiment être pas trop mal non plus à ce niveau-là. On est d'accord. Meteor Blow. Aïe 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 aïe. Je vais m'en prendre plein la gueule. Oh, aïe aïe aïe. Ça fait mal en effet. Bon. Déadlus. Alors ce qui est bien avec Déadlus, c'est que tu vas faire ton invocation. Il va lancer une petite salve de missiles, ok. Mais vers la fin, il va te lancer un énorme missile qui va tout défoncer et faire d'énormes dégâts. Et ça, c'est réservé pour le prochain tour. Déjà plus de 1000 dégâts, ça augure que du bon. 4 Nova, ouais. Est-ce que je ne sais pas ressusciter? Non, pas encore. Aïe, aïe, c'est fort dommage, ça. Alors, on va utiliser cool, voilà, parce que c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Waf, ouais. Waf, ça est. Waf, waf. Je suis trop marrant. 300 de dégâts.
Moi, j'ai l'impression que les jeans, ils sont un peu faibles. Hein. Fait que... Aïe! Aïe, 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 Pierce! Voilà! Comme je vous disais, l'homicide arrive au second tour. Et ça fait mal. Voilà! Déjà, Ménardi, elle est morte. C'est déjà ça. Ouf. Ah, c'était chaud. Ah, c'était chaud. Bon, apparemment, j'ai encore du temps devant moi. Je vais pas tenter le diable. On va pas essayer de le tuer maintenant. Éventuellement... Attends, je vais essayer de voir... Store PP... Ouais, on va essayer de faire ça. Parfait. Ouais, il est encore paralysé. On va essayer de charger un petit peu, hein, des petites synergies par-ci par-là. Pour essayer de préparer éventuellement de futures invocations, bien entendu. Voilà, voilà. Alors. L'agilité. Elle a du mal, hein. Zathuros, je sais pas qu'est-ce que t'as, mon pauvre. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre. Alors, hop. Si te faire ça. Parfait. Bon, on charge un petit peu de synergie. Et tant mieux. Catch move. Ah, il est de... Il peut de nouveau bouger. C'est dangereux, ça. C'est extrêmement dangereux. Je sens que ça va être coton. Alors, ouais. Ça sert à rien. Mais au moins... Je ne... Non! Non! Mais non! Mais tu fais exprès? Mais... Mais... Pourquoi tu fais ça? C'est dégueulasse. Putain, j'ai plus que deux personnages, là. Ça va être coton. Radiant Fire. J'ai bien fait. Apocalypse, aussi. Aïe, 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 aïe. Il y a le masque de mort, là, qui est en train de me faire chier. Un tantinet. Bon, allez, on lance tout, pour le tout. On va lancer Catastrophe. Et je vous laisse profiter d'ailleurs de l'invocation qui est splendide. Ah, parfait. Ouh, mon Dieu, c'était difficile. Après, je vais vous dire une chose, hein. Je sais vraiment pas pourquoi. Ah oui, pff, regarde le niveau que tu prends, là. Regardez-moi ça. Enfin, bref, ça ne veut rien dire. Voilà, voilà, tout le monde monte de niveau, tout va bien, tout est nickel, hein. Bien entendu. Je sais vraiment pas pourquoi mes invocations font si mal, en fait. Je sais vraiment pas pourquoi. Enfin, bon. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette nouvelle petite formule de mode, tout ça... carrément, on peut faire des Zathuros vraiment surpuissants, tout ça, qui peuvent attaquer plusieurs fois par tour, tout ça. Si vous avez des suggestions, s'il y a des fans de Gunlesson qui regardent mes vidéos, si vous avez des suggestions de monstres, tout ça, qu'on peut recombattre, que l'on puisse rendre super puissant, tout ça, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On peut limite se créer un Duran encore plus puissant que l'autre, là. Un Zathuros Ménardi encore plus puissant. Un groupe de 4 avec les deux autres là, Agathio et Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Mais voilà, on peut faire moult possibilités et rendre les combats vraiment, mais vraiment super épiques. Enfin voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette nouvelle série de vidéos sur Gunlesson 2 vous plaira. Et moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao bye bye les amis.